Good morgen, allez, Yid, allez, tu seras aujourd'hui l'Eloi Nishmat, Janine Rude, Bat Fortune, Mazal Fitna, Léa Chaya, Bat Mazal Tov, Lucienne, Bat Mina, et Koshomo Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions Masechet Gitin, Perek Dalet, Mishnah, hey, Mishnah Chetzio Eved, Chetzio Ben Chorin, Ovedet Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad, Divrei Bet Hillel, Amroulaim Bet Shamay, Tikantem et Rabo, Vet Atzmo Lo Tikantem, Lisa Shifra, I Efshar, Shekva Chetzio Ben Chorin, Bat Chorin, I Efshar, Shekva Chetzio Eved, I Batel, Valo Lo Nivra, Aolam, Ela Lepiria Virivia, Sheneemar Lotu Bra'a, La Shevet Yetzara, Ela Mipnetikon Aolam, Kofin et Rabo, Ve Ose Oto Ben Chorin, Ve Kotev Shtar Al Chatzidamav, Ve Chazru Bet Hilel Lehorot Kedivrei Bet Shamay. On continue avec les Takanot Aolam, Mipnetikon Aolam, toutes sortes de décrets que Chachamim ont fait pour le bon fonctionnement du monde. On est rentré du coup dans, on est déjà une Mishnah, ou peut-être deux Mishnahs déjà, où on parle des esclaves, une Mishnah, on va en avoir quelques-unes maintenant, où on parle des esclaves, qu'on a fait, différents décrets qu'on a fait, Mipne Tikkun Haolam, pour le bon fonctionnement du monde, ne pas salir les gens pour rien, ainsi de suite. Et avec un nouveau cas maintenant, Mishechetzio Eved Vechetzio Ben Chorin. On a un esclave qui était à moitié esclave, à moitié homme libre. Comment c'est possible? C'est très simple. Il y avait un esclave qui appartenait à deux associés. J'avais acheté avec mon ami un esclave. Lui, il a libéré sa moitié, il n'en veut plus. Et moi, il reste quand même mon esclave dans la partie qui m'appartient. Il est à moitié esclave, à moitié homme libre. Ou bien tout simplement, je l'ai libéré à moitié. Il y a des solutions. Le problème, c'est pas pourquoi les gens ils font des choses comme ça. Quand ils les font, ça fonctionne. Et c'est ce qu'il a fait, d'accord? Donc maintenant, on a un esclave qui est à moitié libre, mi-homme libre, mi-esclave. Mi-homme, mi-animal, comme on a déjà évoqué, que l'esclave, il a un statut sur plusieurs choses, que c'est un bien, comme j'ai des animaux, comme j'ai des meubles, j'ai aussi un esclave, c'est un bien. D'accord? Et alors maintenant, on va différencier, tout de suite, je vous introduis d'abord une notion super importante pour comprendre la suite de la Mishnah, c'est très simple. Les esclaves, il y a deux paquets de mitzvot, deux choses il a deux statuts. Si je définir un statut d'esclave, ça implique deux plans de mitzvot. Un par rapport au d'engagement, un par rapport au mitzvot de la Torah, et un par rapport au bien, le fait que c'est un bien immobilier, comment vous l'appelez, Evedoukashel Karkaot. Concrètement, l'esclave, donc, il a un statut, il a des engagements qui l'incombent. Il a ce qu'on appelle les dîner mamonot et dîner isurim. En l'omdes, dans les chouettes, ça s'appelle, il y a les dîner mamonot de l'esclave et les dîner isurim de l'esclave. Le fait d'être un esclave, ça implique que c'est mon bien. Lorsqu'il travaille, c'est pour moi. Lorsque, d'accord, c'est à moi, celui qui le prend, qui l'exploite, il doit payer à lui. Parce que quand il a pris ma vache pour travailler. D'accord ? De manière grossière, comprenez l'idée. Donc il y a l'aspect mamonot, l'aspect argent de l'histoire. Et à part ça, l'aspect isurim. Vous savez qu'un esclave, il ne peut pas se marier avec une bat Israël. Mais au contraire, il peut se marier avec une esclave qui est comme lui. Et tant qu'il n'a pas reçu un get shichur, lorsque je libère un esclave, alors je le libère sur tous les plans. Sur l'aspect économique, mamon de l'histoire, maintenant il devient un homme libre, qui est lui-même maître de sa production, qu'il va produire, et même sur l'aspect issourim, que maintenant il va avoir le droit de se marier. Si on va se retrouver, la Gemara évoque toutes sortes de situations, avec des esclaves, imaginez, il y avait des villes entières où il y avait des esclaves, on parle des esclaves de Shlomo Améler, il avait plein d'esclaves, après ils se sont enfuis, ces esclaves-là, maintenant, ils n'ont plus l'aspect mamonote de l'histoire, ils peuvent pas. Ils n'appartiennent plus à quelqu'un, ils ont fui. Mais il reste malgré tout des esclaves qui n'ont pas le droit de se marier avec une bat Israël. C'est pire qu'un goy qui veut se convertir. Lorsqu'un goy se convertit, il n'y a aucun problème. On lui dit, vas-y, convertis-toi, après tu deviens juif, tu te maries avec une juive, sans aucun problème. Mais lorsqu'on a un esclave qui a pas reçu son get shichur, on reste génération. Ça dépend de la mère, mais en tout cas, on peut rester esclave de mère en fils, si je peux dire de mère en fille au moins, et on ne peut pas se marier avec des béné Israël. Tout simplement, de ce côté-là, ça devient des animaux qui ont un statut d'esclave. Ok? C'est pire qu'un goy qui veut se convertir. Un goy se convertit, il devient juif. Un esclave, tant qu'il a perçu son guette,
Il peut même aller au mikvé 10 000 fois, ça l'aide en rien, il reste esclave. Ok? Maintenant, on va approcher la Mishnah. Donc on a maintenant cette situation-là avec l'esclave qui est à moitié homme libre, à moitié pas libre. Alors, pour l'aspect économique de l'histoire, tout se passe bien, parce que Oved et Rabo Yom Echad, Vet Atzmo Yom Echad, il va servir un jour son maître, un jour pour lui. On lui dit, écoute-moi, qu'est-ce que tu sais faire comme travaux? Tu sais carreler le sol? Alors, un jour, tu vas devenir un carreleur, un esclave carreleur, tu vas aller travailler. Hein? Dimanche, mardi et jeudi, tu travailles, ce que tu gagnes, c'est pour moi parce que tu es mon esclave. Et lundi, mercredi, vendredi, ce que tu travailles, c'est pour toi. Comme quand on était deux associés dedans, ils travaillaient un jour pour moi, un jour pour lui. On pouvait travailler tout ensemble. On pouvait aussi se partager, travailler un jour pour moi, un jour pour lui. La même chose lorsqu'il est la moitié esclave, la moitié homme libre. Un jour pour moi, un jour pour lui. Divrei Bet Hillel, telle est la vie de Bet Hillel. Donc en fait, Bet Hillel me dit, bon, pour le moment, il n'y a aucun problème, d'accord. Il a libéré sa moitié, alors hein, je deviens associé avec lui-même. Amour laem Bet Shammai, ils ont rétorqué Bet Shammai, tikantem et rabo, vet atzmo lo tikantem. Vous avez, par votre solution de partager, de dire un jour pour toi, un jour pour lui, tu as résolu le problème du maître, mais tu n'as pas résolu le problème de l'esclave. Tu as résolu le problème du maître que le maître, bon ben, au même titre qu'il avait avant un demi-esclave, il continue à rester avec un demi-esclave, il n'y a aucun problème. Bon, il gagne le même d'argent, il a le même rendement de l'esclave, tout se passe très bien. Mais lui-même, il a un grave problème. Pourquoi? Lui aussi, il gagne son argent un jour sur deux, il n'a pas de problème. Non, il y a un grave problème, parce que Lisa Shifra, Ifchar, il ne peut pas se marier avec une esclave. Pourquoi? J'ai que Vachetsi au Ben Khorin, il est à moitié homme libre. Il a son corps qui est à moitié homme libre, à moitié esclave. Il veut se marier avec une esclave, t'es à moitié juif. Alors il va se marier avec une juive, t'es à moitié esclave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lisa Shifra, Ifchar, Shetvachetsi au Ben Khorin, il ne peut pas se marier avec une esclave parce qu'il est à moitié homme libre. Moi, j'ai pas le droit de me marier avec une esclave, je suis un homme libre. Batrorin, Ifchar, se marie avec une femme libre. Et alors aussi, c'est impossible, pourquoi? Shetvachetsi au Eved, parce qu'il est à moitié esclave. Alors quoi? Ben, il battelle, peut-être que tant pis, tu chômes. Il se marie avec une personne d'autre, c'est impossible. Valolonivra olam el alapiria verivia, la base du monde, la première mitzvah du monde, qui n'est pas la mitzvah, en l'occurrence, on rapporte un autre pasouk, mais en tout cas, le monde, il a été créé que pour que l'homme se reproduise et peuple le monde. Peurvou, miloarez, vekivchua, on rapporte un autre pasouk. Chenema, quand on rapporte un autre pasouk de Ishayahu qui a écrit Lotohu braa, Hachem n'a pas créé un monde pour qu'il reste inhabité. La chèvre est Yetzara. Il a créé le monde pour qu'il soit installé, que les gens peuplent, que l'homme peuple le monde. On rapporte pas le passage de Pirin Verivia parce que ça incombe que aux juifs. Donc ça incombe que là, sa partie homme libre. Là, on a voulu rapporter un passage qui va nous dire que même pour sa partie esclave, il a aussi le devoir de. Non, même un goy, il a compris quelque chose de bien quand il se, construit, quand il se marie et qu'il peuple le monde. Si c'est pas des petits terroristes, quand même, bien sûr, mais. Enfin voilà. Donc chez Neymar l'auto bras, la chèvre était ça. Elle a mis Tikkun HaOlam. Elle met donc pour le bon fonctionnement du monde, comme on a dit, Tikkun HaOlam, qu'au fin et rabo, on va imposer au maître, on va lui dire, écoute-moi, cher monsieur, il t'appartient à moitié, c'est vrai, tu as le droit de l'exploiter pour qu'il continuerait, mais non, ça marche pas comme ça. Tu dois le libérer, tu dois lui écrire un get shichu, vekotev shtar al khatid amav, et vekofin et rabo, on va forcer le maître à lui écrire à cet esclave un get pour qu'il libère lui aussi sa deuxième moitié, pour qu'il puisse aller se marier avec une juive. Et ensuite, les kotev shtar al chatsidamav. Et l'esclave, dans le pauvre, il n'a pas d'argent pour le moment pour payer. Eh bien, il va écrire une reconnaissance de dette qui doit à son maître la moitié de l'esclave. Un esclave, ça coûte 100 000 euros. Donc 50 000. Puisque tu as juste un demi-esclave. Donc il te doit 50 000. Tu lui donnes un gachirou et t'écris une reconnaissance de dette qui te doit 50 000 euros. Il travaillera, il apportera son argent, il te remboursera au un moment. Mais au moins, il pourra ainsi se marier avec une femme. Bechazrou bet hilel lehorot kedivrei bet shammai. Suite à ce débat, bet hilel ont reconnu à bet shammai que vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, c'est le bon décret à faire d'imposer au maître de l'affranchir pour qu'il puisse se marier. Et que, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Azlachakoltou, c'est là.